nandelo yembo ya boye yemba mi Zika na sale la yo na solo pe na molimo Kwete na mona yo mokolo wana Sala Na yembe longo na banshi Thank you.
Repose en paix. Les trains partent toujours à l'heure.
la mort ne t'emporte pas. Elle multiplie ta vie dans chacun de nos bras. Repose en paix. Chère famille, parents, amis, Maurice Maeterlinck, un écrivain belge du siècle dernier, écrivait déjà ceci. Accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. Fin de citation. La mort d'un proche est bien sûr, pour sa famille et ses amis, une grande tristesse. Pourtant, la mort est un mystère. Chacun y cherche un sens. Certains croient en Dieu et en l'existence d'un paradis. D'autres pensent que l'âme du défunt connaît une autre vie et a chacun sa vérité. Notre bien-aimé a quitté ce monde afin de se reposer dans un pays paisible, un pays au ciel bleu, à partir duquel il veille sur toutes les personnes aimées qu'il a laissées en ce bas monde. Sa famille, ses amis, ici réunis, afin de lui rendre un dédiement solennel. Papa José Daniel nous a quittés le dimanche 13 décembre 2020 à l'âge respectable de 86 ans. Il va désormais reposer en paix dans cette terre, cimetière de la nécropole, commune de Lancenay, dans son pays natal où vit encore sa famille qu'il aime. Il m'est difficile de prononcer cette élégie tant la tristesse et le chagrin m'étreignent. Colonel, ton décès fait notre grande peine. Notre émotion est grande à l'heure de te dire au revoir. Difficile d'accepter la disparition d'un proche avec qui on a tant partagé. Partager les moments de joie comme les épreuves les plus difficiles. Notre bien-aimé papa, Bansenga Kamambi José Daniel, colonel retraité de son état au matricule 423-396K, était un amoureux de tous les métiers qu'il a fait. Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, chargé des ventes chez Renault Zahir, directeur général de Ternit Zahir, chargé du personnel des Forces armées zaïroises, actuellement FRDC, il était un professionnel que tous ses collègues appréciaient. Papa Daniel, tu étais un mari, un papa, un grand-père merveilleux, toujours soucieux de l'intérêt et du bien-être de chacun des membres de ta famille. Tes grandes qualités humaines et ton altruisme faisaient que ta compagnie était recherchée et appréciée. Aujourd'hui, tu manques à toute ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, ton épouse. Mais ils sont tous orphelins de toi, de ton amour pour eux. Ton amitié fidèle et inconditionnelle va grandement manquer à tes amis. Tu étais un ami toujours disponible et à l'écoute des autres. Tu savais cultiver l'amitié en merveille, car être ton ami, c'était être de ta famille, être ton frère ou ta sœur de cœur. Et en nous laissant sur les quais de la vie, tu nous as quittés afin de partir en voyage vers des contrées certainement paradisiaques. Ces contrées dont nul voyageur n'en revient, pour paraphraser Shakespeare dans Hamlet.
ton départ, mon colonel, nous a plongé dans l'émotion et la tristesse de ne plus te voir en ces moments. Tu as pleinement vécu ta vie, mon colonel. Tu as su aimer et profiter de chacun instant de ta famille, de tes amis. Ainsi, chers amis, pour maintenir sa mémoire vive à jamais, l'histoire, ce que les générations futures retiendront, que le colonel José Daniel Basenga, descendant de la lignée parentale, Katoshi et Malou Anna, originaire du village de Renetukou, sauteur de Kifat et Victoire de Dima, il a vu les jours le dimanche 25 novembre 1934 à la Belle, petite chaude province clairière du Kassai central. Le colonel José Daniel fut un homme de paix, discipliné, calme, serviable, un rassembleur, un ardent chrétien, membre de l'église du Christ au Congo, sur la 13e rue dans la commune de Limé. Et aujourd'hui, chers amis, malgré la tristesse de les voir partir, nous ne pouvons que célébrer la vie vénérable qu'il a menée. Cependant, la mort d'une personne ne peut effacer tous nos beaux souvenirs et nos belles pensées. Plutôt que d'aller le chercher à son domicile, numéro 4 de l'avenue Billy dans la commune de Lemba, ni même après un quelconque culte dominical, c'est ici, car à compter de cet instant, le colonel Basenga vient de changer d'adresse. Et la nécropole, commune de Lancelé, qui vient de livrer domicile dans le quartier VIP Atria, sur l'allée 11, au numéro 92 de la rue du Renouveau. La nouvelle adresse du colonel Basenga José Daniel, vers les liens cités nécropole, commune de Lancelé, quartier VIP Atria, allée 11, et au numéro 92 de la rue du Renouveau. Ici, vous reviendrez pour refleurir sa dernière demeure visée. La nécropole, premier janvier au 31 décembre, et vous êtes accessible pour les visites. C'est là, de 9h à 16h. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, ma compagne ce jour, les partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, nous retirons les condoléances les plus attristées. Et au nom du président de notre conseil d'administration, j'invite très respectueusement Madame Lissi Basenga, la marraine, à recevoir cette gerbe de fleurs au nom de la maman pour honorer l'image de papa colonel Basenga José Daniel. Prenez le temps de faire votre deuil, d'apprivoiser la disparition du papa colonel José Daniel et reprenez confiance en l'ami. Nous allons devoir confier son corps physique à cette terre plus sacrée, quand bien même c'est à des milliers de kilomètres d'Ndemba. Nous prendrons congé de ce corps en disant tout simplement « Tata colonel Wetou, oui, je vous remercie. » Oh,
papa, cadre logique. Daniel, nous allons procéder à la descente ensemble avec l'honneur militaire. Et après la descente, la parole sera accordée à la famille, soit à un pasteur, une courte prière pour la dernière demeure de notre très cher colonel. Pour le sol. Ça va. Mais Toro, au sol. Position. Go. Attendez, il faut posséder, va. Toro, pour le vent. Je Thank you.
Voilà, chère famille, je disais, une courte prière, soit au pasteur, et après, il y aura un petit mot à la famille. Nous sommes des chrétiens, nous avons la foi chrétienne, prions le Seigneur. Notre Père céleste, tu es l'auteur de notre vie, l'artisan de notre destinée, le garant de notre futur. Nos destinées sont entre tes mains, tu as entre tes mains nos souffles de vie et nos voix. Tous nos jours sont inscrits dans ton livre avant qu'on puisse n'exista. Je te recommande ton saint serviteur et fils sur la terre des humains. Il a accepté ton fils unique, notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Il a reçu le baptême conformément aux saintes écritures. Dès ce jour que tu l'as retiré dans la terre des humains, Père, nous venons déposer son corps, que son âme se repose en paix. Je bénis au nom de Jésus-Christ sa postérité. Que sa postérité soit puissante sur la terre des humains et bénie. Que tu leur accordes une bonne santé et une très longue vie. Que l'unité soit le partage de cette famille et l'amour. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Je pense que la prière, il y a vraiment. Moi je dis adieu à mon grand frère et je lui demande seulement que Dieu garde son âme. Je suis resté avec un groupe d'enfants et d'amis et des frères venant vivre dans l'harmonie. Si peut-être là-bas on rencontre avec ceux qui sont déjà partis, on nous gardera tous. Sinon, je ne sais plus son adieu. Papa.
Zate, la consalisangaye.